qui dit traumatisme thoracique, ça peut atteindre. Il y a mal les gros vaisseaux, donc ça c'est les lésions les plus graves, ça peut atteindre. La plèvre, ça peut atteindre. Les côtes, ça peut atteindre. Le parenchyme pulmonaire, ça peut atteindre le diaphragme. Donc tout traumatisme thoracique, tout patient victime d'un traumatisme thoracique peut avoir ou bien une lésion des gros vaisseaux. Alors notre crainte principale, c'est la rupture de l'aorte. Ça peut entraîner une hernie diaphragmatique, ça peut entraîner une lésion pariétale, une fracture de côte ou à la volée costale, ça peut entraîner des lésions de la plèvre, il y a les pneumothorax ou les hémothorax, ça peut entraîner une atteinte parenchymateuse, c'est-à-dire des contusions pulmonaires, ça peut atteindre le cœur. Le cœur, ça peut aller une contusion myocardique simple de tamponade. Wadha, ben, la vie awal haj. Alors maintenant, les mécanismes du traumatisme thoracique. Enfin, trois mécanismes. Le premier mécanisme, c'est un mécanisme direct par choc, compression ou à la perforation. C'est un mécanisme qui est direct. Il y a ma perforation quand on a des traumatismes thoraciques, enfin, les traumatismes fermés, enfin, les traumatismes pénétrants, enfin, deux types. Enfin, ma fermée, ma femme, les AVP, juste drape thorax interne à le volant, enfin, les traumatismes pénétrants, que ce soit par arme à feu ou voilà, par arme blanche. Pénétrant, c'est-à-dire qu'il y a un trou. Il y en a un trou, voilà une plaie qui communique avec l'extérieur. Pénétrant. Alors, les mécanismes, on a un direct par choc ou la compression. Alors, généralement, comme ça peut être des lésions ouvertes ou elle la fermée, que ce soit du contenant ou voilà, du contenu. Que ce soit des côtes, le contenant, une côte ou la cage thoracique ou voilà, du contenu. Le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme indirect par décélération. C'est-à-dire, il sort le caraba, il y a eu une décélération brutale, freinage brutal. Alors là, il n'y aura pas de fracture de côte, ou la plèvre, ou la diaphragme. Généralement, c'est les gros vaisseaux médiastinaux qui vont être atteints. Et le traumatisme de l'aorte, les ruptures de l'aorte, c'est par, généralement, c'est par ce mécanisme-là, par décélération brutale. Allez, je te le dis, par décélération brutale. Décélération brutale, le poids par les organes, les destinaux, les poumons, le plèvre, le cœur, les vaisseaux, il va être multiplié par 10. Du coup, c'est-à-dire qu'en décélération, c'est-à-dire à désinsertion, donc on peut avoir des lésions graves des gros vaisseaux et du poumon. On peut avoir des lacérations du parenchyme pulmonaire. On a l'air d'origine d'un traumatisé thoracique. Quel est le mécanisme? C'est une décélération brutale. Attention à l'aorte. Des cours d'eau. Donc parmi les patients, sinon le mécanisme, c'est très important de connaître le mécanisme. À la limite, le crânien, on s'en fout, le bassin, on s'en fout, mais le thorax, le mécanisme, c'est très important. Est-ce que c'était par compression en tartali, ou là, c'était par une décélération? Décélération, c'est très grave. Le troisième mécanisme, c'est les lésions de blast, dernière explosion. Et quand on parle fidèle, d'accord, il y a une explosion. Ça, lésion de blast. Alors, généralement, c'est une explosion violente, il y a la mécanique, il y a l'électrique ou la chimique. Donc, il y a au moins les trois mécanismes. Il y a par compression directe, il y a par décélération, il y a les lésions de blast. C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion. Ma forme ? Ben, la vie est la. Alors, maintenant, les lésions qu'on peut avoir. Les fractures de côte. Pour les fractures de côte, retenez. Les fractures de la première et de la deuxième côte, ainsi que les fractures des deux dernières côtes, c'est un signe de gravité. Les fractures des deux premières côtes, il faut ramener deux côtes, et les deux dernières côtes, c'est un signe de gravité. Allez, ça sera. Première côte, je vous rends bien. Je tarde d'avoir l'habitude, je tarde. L'artère et la veine supérieure. Donc, comme on dit, c'est la rupture de l'artère ou la veine supérieure avec un hémothorax important. Avec un gel autre. Ou comme le plexus brachial. Donc, les signes de gravité. Les deux premières codes, c'est un signe de gravité. Les deux dernières codes, maintenant, pourquoi c'est grave? Donc, si vous avez une fracture des deux dernières codes, d'accord, je fais attention à la rate. Si vous avez une fracture des deux dernières codes, à droite, attention au foie. Mais il y a les choses les plus importantes. Les fractures de corps peuvent se compliquer d'un pneumothorax et ou d'un hémothorax. Et alors, le mot
Yamakemo, thorax. Rarement contusion pulmonaire, mais là c'est vraiment les corps qui ne sera pas entier. Mais les deux complications les plus fréquentes, c'est pneumothorax et ou hémothorax. Donc à rechercher systématiquement chez tout patient qui a une fracture de corps. Effet fragile. Le traitement des fractures de corps, ce n'est jamais chirurgical. Sauf s'il s'agit d'un volet, malheureusement. Mais une maladie de corps, on ne traite pas chirurgicalement. Ça va se consolider toute seule. Par contre, attention, il faut une analgésie optimale, kinésithérapie respiratoire et oxygénothérapie. Allez, c'est l'analgésie, s'il ne pousse pas, s'il a mal, il ne va pas pousser, il va s'enfoncer. Donc, le double. Quand j'ai une question, traumatisme, fracture de corps, traitement et chirurgical, là. Voilà. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est les fractures de corps. Les six de gravité, les deux dernières, les deux premières, les deux dernières. S'il y a un pneumothorax, les complications, c'est le pneumothorax et le thorax. Le traitement, c'est surtout l'analgésie et l'oxygène. À cause. Bien. Dans le volet thoracique. Alors, le volet thoracique, c'est quoi? Le volet thoracique, c'est une partie de la cage thoracique qui va se désolidariser. Le volet thoracique, c'est une série de fractures de corps. La définition, c'est sur trois étages, il y a au moins deux foyers de fracture. Je m'en ai. Donc, les hommes ont mis à la trois étages, comme à deux foyers de fracture. Du coup, le code, comme à deux foyers de fracture. Deux traits de fracture à la même code. Un seul trait, c'est pas un volet. Alors, les volets, comme à deux, trois types de volets. Comme à les volets antérieurs, les volets latéraux, les volets postérieurs. Bien. Les volets antérieurs, c'est généralement nerf. Ça se passe ici. C'est parti aller. Alors, avant de brancher, généralement, ils n'entraînent pas une désolidarisation complète par l'arme du sternum. Le rendez-vous reste le sternum. Alors, généralement, le segment mobile, il comprend le sternum, mais généralement, il n'entraîne pas un repentissement important sur la respiration. Les volets latéraux, les mauvais, c'est les plus graves. Au fond, les volets postérieurs, les volets postérieurs, c'est généralement, ils sont les plus stables. Enfin, les masses musculaires, comme les muscles paravertébraux, donc chez dos. Donc, revenez, volet latéral, c'est un signe de gravité. Antérieur ou postérieur, c'est pas un signe de gravité. C'est surtout les latéraux qui sont les plus graves, qui sont les plus mobiles. C'est généralement les latéraux. Plus fréquent, moins fréquent, Alors les volets latéraux, ils vont se manifester sur le plan clinique par une respiration paradoxale. Je m'en ai un patient, tantôt m'a fait inspirer, autant on l'époque que le caillotte. Non, on t'a dit inspiré, le trap, c'est que parti, il y a 4 temps. D'autres, le thorax. Voir l'expiration, il y a déjà un axe. Et puis j'en ai l'expiration paradoxale, c'est-à-dire les corps ne suivent pas le mouvement, les mouvements du mouvement. Donc, les volets latéraux, ils se manifestent par une respiration paradoxale. Avec quoi je m'en ai à respiration paradoxale. Alors, le traitement, qu'est-ce qu'il y a? Les volets thoraciques, ils entraînent un peu nous, voilà, le thorax, bien sûr, comme un peu plus de corps. Alors, le traitement, il est chirurgical. Les volets thoraciques, leur traitement, il est chirurgical. Il est chirurgical. N'étardez les autres lésions. Les autres lésions seront sous forme de radio. Mais j'ai voulu insister à voler de la cycle, j'ai pour le moment la définition d'un voler de la cycle.
Ben, les causes d'une détresse circulatoire par un traumatisé thoracique. Et donc, qui m'a peut-être voulu traumatiser, je peux pas vous. Les causes d'une détresse circulatoire par un traumatisé thoracique. Alors, au Hajj, le choc cardiogénique. Alors, peut-être secondaire à une contusion du myocarde, première avec les polytraumatisés. Ça peut être secondaire à un infarctus du myocarde par des lésions coronaires, atteinte valvulaire ou à la rupture carrément de la paroi cardiaque. Alors, rupture de la paroi cardiaque, votre challenge. Les papas sternats, j'ai pris le Hachet, malheureusement, par un sujet cardiaque, donc j'ai pris les papas sternats. Les papas sternats, à l'heure du docteur Knissi, on a pas les UVD. Mais le problème, c'est qu'on a une fille, une psychiatre UVD, donc il y aura une UVD, il y aura une GMA. Le fils, il a essayé de suturer, mais finalement, il est décédé. A mal arrêt sur table, massage cardiaque interne. Assez clair, on va arrêter ou pas de camé. Mais habite pour eux, elle est les plaies par un sont très graves. Derrière le sternum, on va prendre le plus droit. Les plaies du cœur généralement électriques. Ils montent sur place. Elle est, j'ai pas de chance. Elle a d'abord fait, j'ai ça. J'ai avec tension à 14 ou à 70. 11 qui fait, je vais me mettre. J'ai ou à 70, c'est la carte. Et ou à 70, tension à 14. Atténuer sur le table. Monsieur Chocou, à l'aise, à un donné, il est sous le temps. Il y a un autre, il est sous. Madame, je l'ai pénétrant. C'est là, il est plus fort. Ou a-t-il un bloc à l'autre, je marque au drame thoracique, il avait un niveau thoracique. A-t-il au drame thoracique, a-t-il chez toi au stade. Bah, il est géant, je marque au cassette, je marque au radio thorax. Je joue le drame, il est en place au lait. Il a cette nourrie, je marque au loup. Cassette à la marée. Bon, en fait, non, il a mis le cœur. Il était, il y a une forme, il y avait les battants qui comprimaient une plaie avec le fait qu'on a mobilisé, ça y est, pas des avançages. Donc, toi, raconte, on vient tout seul. Mais maintenant, chez moi, je ne sais pas comment le casser. Mais elle a démassé une lésion très grave. Voilà, d'ailleurs, par les quais, on fait des marques de bétadine à l'appui. Alors, on fait bétadine à l'appui avec des battants du cœur. Il ne faut pas communication entre le cœur ou le bétadine. Comme toi, il y a une plaie, comme elle a une plaie ponctiforme maintenant, elle a caché des misères, une plaie de VD. يعني ما تحكموش اي بلي بينيترون هم عليه طول الكروماتيزم توراسيك بينيترون غادي تكسبلوري شيروجيكالمون كيما لي بلي لو كاف تاعهم قلت رود بالك باهي الوغ لا جين او روتور فينو هذا لو دوزيام ميكانيزم الجين او روتور فينو سي سوا با ايموتوراكس لو موتوراكس طومبونا كو لي ارتي ديافراغماتيك لي موتوراكس لو موتوراكس تكمل سا با تكمل لو كور طومبونا نو في سا با تكمل لو كور لي ديافراغماتيك تشيح لي زوركان abdominaux, chaque fois que ça va comprimer le cœur. Donc ça va gêner le retour venu. Alors, revenez, la ligne diaphragmatique, c'est plus fréquent de, que ce soit de quel côté allez. Ça éteint le foie, il protège de la coupole droite. Comme ça. Mais ça n'empêche pas de mettre le coupole à droite, hein. Mais plus fréquent à gauche. Enfin, le traumatisé thoracique peut être en état de choc, par choc hémorragique, c'est-à-dire hémothorax, tamponade, rupture de l'aorte. Ou à la haute pression des intestinaux, et enfin, hémoptysie massive fait des contusions pulmonaires. Ça ne va pas. La contusion pulmonaire, il y a une contusion pulmonaire. À part la détresse respiratoire, on voit le patient en train de cracher du sang. Il y a un trauma thoracique qui est en train d'avoir, qui est en train de cracher du sang, à part le traumatisme action faciale, il peut avoir ça en association, fait attention, ça cache généralement une contusion pulmonaire. C'est toujours. Voilà, on s'arrête par le patient. Attends, on va aller voir l'image, voir la circulation qui marque le centre d'aspiration pour aspirer les poumons. Pour que j'arrive à nous, là où j'ai caché sur le bâton. C'est l'hémorragie alvéolaire. Donc la contusion pulmonaire, elle entraîne une détresse respiratoire, mais vu donner aussi un état de choc hémorragique s'il y a une hémorragie alvéolaire importante. Quand on a une louche qui a une hémothorax sur le nez des gros vaisseaux, attention, la contusion pulmonaire peut s'accompagner d'un état de choc hémorragique. Voilà. Oui, je suis une question d'air. C'est le scanner. C'est le scanner qui va faire le diagnostic. Voir un peu l'examen clinique, on garde le mouvement, par exemple. C'est le scanner thoracique qui va faire. Et là, je ne peux pas me faire le scanner. Ça, on va faire le scanner. Ça, on va faire le scanner. Madame la ligne diaphragmatique à gauche. Et là, je vais avoir une anse, c'est vrai, là, on va faire le scanner. On forme plusieurs lignes diaphragmatiques qui sont découvertes en faire opératoire. Enfin, les LO pour enlever la rate, on fait pour les formes de diaphragmatique.
D'accord. Donc la radio, normale, ce n'est pas une idée fanatique. Ah, ok. Bien. Alors maintenant, les causes d'une détresse respiratoire. Alors là, c'est facile. Il y a une hypoventilation alvéolaire par fracture costale de type, ou la lésion du diaphragme, c'est normal. Si le diaphragme il est à part, il est perforé. Le patient juste une agitation parce que c'est le muscle respiratoire principal. Les épanchements pleuraux, liquidiens ou aériens, la douleur en elle-même peut entraîner une hypoventilation alvéolaire par un tout inefficace et non comprendrement. Les obstructions des voies aériennes par lésions trachéobronchiques ou l'accumulation de sang ou simplement par inhalation. Et enfin, les contusions pulmonaires. Donc, une lésion au niveau du thorax peut entraîner une détresse respiratoire, à part de la lésion des gros vaisseaux. Ou la lésion des gros vaisseaux en elle-même peut donner un pneumothorax. Mais il n'y a que contusion pulmonaire. Remarquage important qu'il faut retenir. Que pour contusion pulmonaire, on peut avoir une détresse respiratoire, c'est pas parce qu'il va avoir un pneumothorax ou un pneumothorax. Ça ne donne pas ni pneumothorax ni pneumothorax. Mais la contusion pulmonaire fait à deux mécanismes. Un, l'hémorragie alvéolaire. L'OAP lésionnel et le risque de surinfection par la suite, il va donner l'effet char, pas les boules. C'est un excès de perfusion par rapport à la ventilation. Donc la contusion pulmonaire, t'as aussi la contusion, c'est-à-dire alvéole, c'est-à-dire la voie du poumon, partie, elle est contusée. Donc en plus, on a des alvéoles qui sont détruits. Il va y avoir de l'hémorragie, mais il va y avoir une atteinte de la membrane alvéolo-capillaire, donc vous aurez un OAP lésionnel. Et secondairement, ça peut se surinfecter. Et enfin, les séquelles définitives dans les conclusions, c'est ce qu'on appelle les pneumatocèles, c'est-à-dire une cavité aérienne au niveau du poumon. Partie du poumon, elle n'est plus fonctionnelle. D'accord ? Donc avec un coup aussi l'effet champ. Quand ça peut entraîner un champ vrai, pas atélectasie ou la pneumatocèle, elle est complètement là. Il y a une partie du poumon où la ventilation est égale à zéro. Même que la contusion pulmonaire, comment elle peut donner une hypoxie, par l'hémorragie qu'elle va entraîner, par l'OAP lésionnel qu'elle va entraîner, c'est immédiat déjà, et par la suite, par la surinfection, les atélectasies, les pneumatocytes. Donc un patient qui a une contusion pulmonaire doit être admis en réanimation. Moi, je ne sais pas si vous me savez ce que vous voulez. Là, je vais avoir un bien, il crache, etc. Même s'il est ça au début, tôt ou tard, il peut se surinfecter. Les. Comme ça, sauf si voilà la distribution de l'infection. Les coups. Ben. Alors, regardons les critères de gravité. Les critères de gravité, regardons les recommandations de la société française. Car un peu, je connais un article du Japon. De toutes les façons, quand est-ce qu'on parle d'un traumatisme thoracique grave, alors chez un patient qui est âgé, c'est un traumatisme thoracique jusqu'à preuve du contraire, c'est grave. S'il a des antécédents cardio-pulmonaires, s'il est en état de choc, s'il a des troubles, c'est pas à prendre. Hein. S'il a des troubles de la conscience, s'il a un boulet thoracique, s'il a une contusion du myocarde. Donc, il y a généralement les lésions graves et des gros vaisseaux. Mais retenez déjà à l'état pathologique antérieur des mouvements, retrouver, alors même deux fractures de côte, ça peut le décompenser. Pour les nerfs, les compensations précieuses. D'accord ? Alors, les examens, dans le point qu'il faut faire pour première intention. Le traumatisme thoracique. Aouet Haj, radiothorax. C'est vrai. Thémi Haj, ECG systématique. ECG systématique. Faites ce que je fais pour une lésion coronaire. Troponine, systématique. TDM thoracique injecté, systématique. On peut être en bas, ça aura l'air. Un, injecté à la recherche des lésions du gros vaisseau. Et deux, scanner thoracique, tu ne peux pas aller à la radiothorax en faire hachette. Un pneumothorax peut ne pas être visible sur la radio, tout simplement. Et enfin, échographie cardiaque. Et donc, elle est l'arme systématique chez tout traumatisé thoracique. L'arbre. Les colis traumatisés, c'est pas un arbre, thorax, bassin, écho-abdo, secondairement scanner de tout le corps. Un traumatisé thoracique ne peut pas oublier le chocolat ou le CG ou l'échographie cardiaque. L'échographie cardiaque, les lésions valvulaires, on va les voir pour l'échographie cardiaque, la contusion du myocarde, on va la voir pour l'échographie cardiaque. S'il y a des lésions coronaires, ou trochinésie ou la achillésie, c'est l'échographie cardiaque. Donc, la seule indication de la fibroscopie trachéobronchique, la seule indication, s'il y a une suspicion de quoi ? Recul d'argent.
Accarement. Mais on ne fait pas rupture trachéobronchique. C'est pour localiser le niveau de rupture. Accarement. Mais sinon, on ne fait pas de fibrosité trachéobronchique. L'écho abdominale, elle n'est pas systématique. Mais est-ce qu'il y a un peu de traumatisé, tu vas la faire par ce qu'il y a de tout le corps. On est déjà. Mais si je veux parler deux fois, mais elle est quand même c'est pas du systématique. Mais nous, c'est le minimum qu'il faut faire. Il y a une petite question, il en va du coup, les examens complémentaires à faire de première intention, et de votre français de part. Les cours d'eau. Bien. Alors, ça va, c'est toujours le cours de psychologie. Pneumothorax compressif. Expiration à l'aiguille. Il suffit de l'exsouffler, il va l'étraper normalement. Alors la farce m'a bien exsouflation ou drainage thoracique. L'exsouflation à l'aiguille, on va ramener l'exsouflation à l'aiguille. Nerf de seringue, tout ça sera le nerf de seringue de 20 cc. La réabsorption et la physiologie, en trois cas, la seringue. Dans les seringues de 20 cc. Notre mot, deuxième espace intercostal. Allez, je vais faire l'air, il a tendance à aller vers le haut. Donc, deuxième espace intercostal, ligne médio-claviculaire. L'exsouflation à l'aiguille, ça se fait au niveau deuxième espace intercostal, ligne médio-claviculaire. Notre mot, avec le seringue, le vide à la main, dès qu'on a un bulage de seringue, c'est qu'on est dans la cavité pleurale, on arrive au seringue, on prend le vide à l'aiguille. Alors, c'est spectaculaire. Mais je travaille avec les deux. Pour ça, les virales. Secondairement, j'ai dit de la thoracique. L'exsultation à l'aiguille, ça se fait. La seule indication de l'exsultation à l'aiguille, c'est le pneumothorax compressif. Bon. Les pneumothorax, c'est nous. Quel est le pneumothorax? C'est normal. Je suis dame, je ne sais pas, mais je ne pas. Quel est le pneumothorax compressif à 40 ou quel dit le conduit à tenir devant un pneumothorax compressif, surtout notre polichat du patient. Exsultation à l'aiguille, on parle bien sûr qu'il y a un passage, je pratique dedans, un passage, c'est un pupille. C'est le geste de sauvetage. L'aiguille, il va la donner. Les cours d'eau. Le fait que le drainage thoracique et l'exsultation sont. L'exsultation vive au deuxième espace intercostal. Le drap thoracique, ça, le drap thoracique, là j'ai entendu, il y a le deuxième espace intercostal, les pneumothorax, soit le quatrième espace intercostal, pas jamais. Mais redonner l'exsultation égale au deuxième espace intercostal, les milieux calculés. Alors, qui est intermédiaire, qui est futur résident, c'est un, vous allez exprimer une équation, c'est pas normal, pour toi, on a un climat, c'est pas normal, pour toi, on a un climat, l'exsultation est. Vous allez sauver votre patient. Il m'a choqué une petite fibrillation, il faut dans l'état de droit, je dis, il y a un café. Marcher une fibrillation, je dis, il y a un train qui marche. Et il est venu faire ça de Pérou, il y a un peu de Pérou, il y a un peu de fibrillé, il y a un peu de conscience, je dis, il y a un train qui marche. Avec votre, une exsultation, c'est spectaculaire. Donc, allez, je vous prenais, le temps que tu vas chercher le grand racine, dame thoracique, une incision, dame sorte, là où j'ai terminé, à la fin de 10 minutes. Moi je n'en parle pas. Donc, tu mets exsultation à l'aiguille, on parle secondairement, j'ai dit une porte dans la mer. Voilà. Ben. Allez, les gens. De quel côté? Allez. Bonjour, allez. Donc, allez, c'est un pneumothorax. Est-ce qu'il est compressif? Non, pas de compression, je vous ai dit ça. Alors, allez, juste.
استمر je profite كيفاش يجيك من الباسيون examen clinique pour sa part acidité du thorax stress du nerf musculaire hein c'est nécessaire à voir je vais pas en plus un hospitalé surtout je vais sur le diabète et la chance pour j'ai de retrouver le je vais en particulier les termes bien sûr tout j'ai sens que je veux le coup de retrouver quel est le motorax le motorax sont précis le pomponnage ou la ligne pragmatique qui va comprimer le cœur, donc on a état tout si j'ai le retrouver le ça va entraîner toutes les sens circulaires. D'accord, on peut le dire, je vais le dire, بل أخذ هذه البلانش هذه شنو ريم ريتو راديو هذه راه إلي نورمال دونك تقدر تطرحها بالكدا إلي نورمال مي سوف كو أون فيزون أن سكانير كلاسيك أون ديكوفير أن بلوموتوراكس أنتيريور دونك تعرف هذه لا بارتي أنتيريور وهذه لا بارتي بوستيريور أفيك دي فوايي كومون بليزيور بلمونير إي ميم أن بلوموتوراكس ميني فهمتوا يعني كنت قلت لكم أن راديو كي سيكتومون نورمال بو كاشي دي ليزيون إي كون فوا فوا كيف سكانير ديكوفير les animaux qui se passent à ce temps, ça va évacuer l'air et le fil. Quand on généralement en position latérale. Oh, ça va, le drap à l'intérieur, il faut que ce soit vraiment expérimenté. Monsieur, oui, vous écoutez, si j'ai là, le drap à l'intérieur, comme un arbre, la terre, ma mère, pas la terre, c'est un an. Maintenant, je vais marcher à la droite. Oui, pas à la gauche. Là, je passe à la gauche, je passe direct au cœur. لكن هذه الاكسبلاسيون على ليميت صغيره مش نصابش الدراما كراسي مش حط الدراما كراسي الدراما كراسي كيفاش نحطو فاربون انتيريور ولا لاتيرال سي سي دو لير نحطو فاربون انتيريور ولا لاتيرال سي سي دو نيمو تراكس كيما فاربون لاتيرال مي حبيت القلب ما تاخدناش القاعده في الرياض سي راه نحطو دي دراما انتيريور مي فريمون il faut qu'on est sûr que comme des grands appuis يعني كي نحط الدراما عندي الاسباس يعني الموفمون سينو نحطو دي retenir, on va faire une excitation au drainage. L'excitation, quel est le pneumothorax compressif? Le drainage, on a le pneumothorax ou le pneumothorax. Et le pneumothorax compressif, c'est le drainage. On n'exclut pas le pneumothorax compressif. La seule indication de l'excitation, c'est qu'il y a de l'air compressif. Pneumothorax compressif, à quand? Bien. Hé, les chemins. Hé, la chemin. La ligne est pragmatique de quel côté? Gauche, c'est le centre gastrique de la moitié, de la thorax. Vous avez dit que c'est la gauche et la gastrique, c'est la même part. Chauffe scalaire, tout le monde. Rétro, l'estomac, il est dans le thorax. Ben. Hé. C'est des foyers de contusion pulmonaire. On se fait scalaire, tout le monde. C'est des opacités alvéolaires. Rétro, bon, enfin, c'est dans le médiastin. Avec là, le poumon médiastin, il peut cacher les mavoucures trachéales et les mavoucures oesophagiennes. Le poumon médiastin, la présence de l'air dans le médiastin, il y a ma. L'air, il y a ma trachée et ma oesophage. Donc, il y a un des foyers de contusion pulmonaire. Bête. Hé. De quel côté? Gauche. Rive, fréchette. لا هذيك سي لا كلارتي نورمال هذه باغ كونتخ هنا فما اون هيبر كلارتي لا لا مفهمناش كونتيزيون ها دايرة حتى في السكانير كيف فيها ماهيش ها لا فري كونتيزيون في المونير في الشاب سي دي كوندونساسيون الفيولير فهمت سي دي ليموراجي او نيفو دي زالفيول سي دو لو افيد ليسيونيل مش كارديوجينيك ليسيونيل بيه هي ها كونتيزيون في المونير في الشاب ريت كي نتي بيور مريض C'est du sang qui arrive en continu. Hein. Et donc, les contusions les plus graves. Avec un par malheur, c'est dans le pneumothorax droit. Avec un c'est le parenchyme, on se traduit le parenchyme. Sinon, donc, c'est des contusions bilatérales. Vous voyez, on est la densité, elle est différente. C'est du sang. C'est un pneumothorax minime, ce côté-là.
Alors, on peut avoir des associations lésionnelles, contusion et pneumothorax ou pneumothorax, c'est comme. Bête, hère. Hère, j'ai dit. Le poumon, elle est normal, elle est. Hère. C'est une grisaille qui est diffuse. Une contusion de rôle qui m'a envoyé. Alors, c'est des foyers opacité alvéolaire. Les pneumothorax, c'est une grisaille qui est diffuse. Surtout qu'à la fois, le patient se coucher, on a peur d'avoir le coucher, la dame, il va se répartir sur tout le thorax. Fatal, une hyperdensité qui atteint tout le thorax. Donc, c'est un pneumothorax gauche. Là, il merde. Comment il est? Compressif, force de tracher une mèche. Les poules d'eau. Alors, il suffit, stable face à cette radio. Drain thoracique. Donc, il suffit de le drainer. Ah, le drain qui fait ce drain. Avec le drain. Ce qui fait ce poumon, comme une aération du poumon. Vous trachez à la rate, qui place le sang. Ose à part, comme une heavy. Ou heavy. Les poules d'eau. Ah, heavy. Ou heavy. Voilà. Bête. Heavy, d'abord. Recure de liste de l'arbre. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une recure de liste de l'arbre? Allez. Ça arrive. Est-ce que le bon coup d'élargissement des décimales, c'est une recure de liste de l'arbre? L'élargissement des décimales, j'en ai. Qu'est-ce qu'il y a dans le dessin? Du sang. Alors la cause la plus fréquente et la plus montée des recure de liste de l'arbre, c'est. Vous voyez, quand on a un scanner thoracique ou une attache de l'arbre qui est atteint, ça peut être autre chose. Alors ça peut être fracture du sternum. Voilà la fracture du racine dorsale. Ça donne du sang dans le médiastin. Donc, face à l'élargissement du médiastin, ça ne veut pas dire toujours une rupture de l'isthme de l'aorte. Certes, la rupture de l'isthme de l'aorte, ça donne un élargissement du médiastin, mais là, la fracture du sternum, ça donne un hémomédiastin, donc élargissement. La fracture du racine dorsal, ça donne un hémomédiastin, donc ça donne un élargissement du médiastin. Par contre, il y a d'autres signes à chercher. Surtout un signe. Sahib, disparition du bouton aortique. Avec assassine une rupture de l'isthme d'aorte. La disparition du bouton aortique. Mafouma. Naal. Les signes radiologiques d'une rupture de l'isthme d'aorte parmi les signes. Comme un hémodiastin. Mais ce n'est pas le seul signe. Il faut chercher les autres. Il faut aller la confirmer par le scanner. Et un hémomédiastin, ce n'est pas toujours une rupture de l'isthme d'aorte. Ça peut être fracture du sternum ou la fracture du racine dorsale. Elle est rageuse. Les signes radiologiques d'un hémomédiastin. Regardez-moi ce que tu as fait. À la fin, allez, c'est important. Allez, c'est important. Parce que l'examen clinique, il peut être strictement normal. Voir par la route, une rupture de l'isthme d'aorte, comme une asymétrie tensionnelle. On voit la disparition des poufs hémoraux. Mais alors, ça ne veut rien dire. Quand j'ai une rupture incomplète, maintenant, c'est pas toujours évident, l'examen clinique. Mais c'est la radio qui va vous impliquer. Je peux aller alors probablement une rupture de l'isthme d'aorte. Donc, je dois aller rapidement faire mon scanner thoracique injecté. D'accord. Alors, les signes. Les signes d'une rupture de l'isthme d'aorte. C'est généralement sévisme. Généralement, ça se passe ici. Dans 90% des cas, parce que c'est la partie la plus fragile. Mais rien n'empêche que je me trouve de l'art, de stade de l'art proximal, de moi que je recueille. Mais le siège le plus fréquent, quand j'ai une question, le siège le plus fréquent, c'est l'isthme de l'art. Dans 90% des cas, c'est l'isthme de l'art. Alors, ici, le mécanisme, c'est généralement une décélération brutale. Décélération brutale. Alors, ici, maintenant. Un élargissement du médiastin supérieur, dans 85% des cas, donc c'est ici le plus fréquent. Disparition du bouton aortique, dans 24% des cas. Vous savez, c'est pas la peine de retenir le pourcentage. Et maintenant, extrapolaire du dent. Rythme ou cœur, vous oubliez. Quand tu as le cœur, ça va jamais nous l'aorte. Ou bah, il faut mal le poumon. D'accord. S'il y a du sang qui sort de l'aorte, oui, je dis, ah, là, j'ai un peu le poumon. Donc, on a l'étape, et maintenant, on croit, comme ça. Il faut charger, qui m'a le coiffure, j'ai le coiffure. Papa, il faut que le dent pleurasse. Ben, on peut avoir un hémothorax gauche, c'est normal, ça communique, ça va aller par diffusion. On peut avoir une déviation vers la droite de la trachée, à la fin. Eh bien, t'as revenu, là. Là, on est.
Donc si vous avez du sang par là, trachée aérienne va être déviée de ce côté-là. Donc c'est une déviation de la trachée vers la droite. On peut avoir un abaissement de la branche souche gauche. Fatrané, il y a du sang. Femme que vous mettez à l'ange bêtement, ben l'anatomie de femme. Déviation de la trachée, abaissement de la branche souche gauche. On peut avoir. Voilà, peut être normal. On est en déviation vers la droite de la sonde gastrique. Kif, qui m'a traché. Fatal les bâtons, il est là. Donc, déviation de la trachée, déviation de la sonde gastrique. Voilà, peut-être strictement normal. Donc, une radio normale, ça n'élimine pas une coupure de l'étoile. Il n'y a que le scanner thoracique avec injection de produit de contraste. Donc, l'examen de référence pour faire le diagnostic d'une rupture de l'arbre, c'est le scanner thoracique injecté. Ah, il y a une attaque aux questions, par exemple. Le diagnostic d'une rupture de l'isthme d'aorte formelle, c'est sur le scanner thoracique injecté. Une radio normale, ça n'élimine pas le diagnostic. Un examen clinique normal, ça n'élimine pas le diagnostic. C'est le scanner thoracique injecté. Scanner thoracique injecté, on a un scanner thoracique, c'est la même chose. Alors, je termine par le traitement. Que nous dit un traitement par la thèse thoracique? Et là, il est valable pratiquement pour le direct. Alors, exsudation à l'aiguille cyclomotorax compressive. C'est-à-dire que vous allez me faire. Drainage thoracique, si c'est un pneumothorax et un pneumothorax. Analgésie, plus. Kiné respiratoire. Oxygénothérapie, c'est-à-dire qu'un systématique. Alors la VNI, on renouvelle comme la VNI. Autant que vous parlez des contre-indications, c'est le pneumothorax. Donc la VNI, maintenant, quelqu'un d'un des contusions pulmonaires et ou hémothorax isolé. Je suis sûr que je n'ai pas de pneumothorax. Quand tu vas maintenir les alvéoles ouvertes à la fin de l'expiration, donc tu vas aggraver l'air vitae. Il y a une contre-indication de la VNI en cas de pneumothorax renouvelé. J'entends la contusion pulmonaire isolée pour éviter que les alvéoles casinent à cause. Mais j'ai comme si madame pneumothorax en cas de VNI renouvelé, contre-indiqué. Alors, en fonction du péricarde ou le drainage, si c'est une pomponade, peut-être en fonction du péricarde, patient même correct, هذا ليبول غوش وهذا ليبول دوات نجيو لهنا هذا الكروكس يفوي ديال نقلب ليكوي سو كونترول ليكو فيغ ليبول اي اون اسبير اي اون ا دو سون نجم نقدر نكون في البيدي يعني كان ميشيل دي سون دي غوش لي دو كورس ولا دريناج كاريمون بلوك اوبيراتوار اي انفا لا شيروجي الوغ لا شيروجي سا بو الي دو اوستيو سانتيز بور فولي كوستال اوستيو سانتيز بور فولي كوستال سينون la thoracotomie d'hémostase ou la circulation extracorporelle. Alors la thoracotomie d'hémostase, les indications claires. Thoracotomie d'hémostase. Alors thoracotomie d'hémostase, on est charmant. A-t-il un drame thoracique pour un hémothorax? Alors si c'est un hémothorax avec instabilité hémodynamique, marquez les noms d'une cause sans cause extracorporelle. A-t-il un drame thoracique claire? Dégile le dame. Et le patient il est instable sur le plan hémodynamique, il n'a ni rate, il sait ni rien. Mais l'hygiène, à l'échelle d'un par vigile, c'est qu'il y a une lésion d'une artère. Donc elle ne va pas se remater toute seule. Il faut aller faire une thoracotomie et faire la suture de l'artère qui saigne. Donc peut-être qu'on a les artères intercostales, les veines intercostales, la plus grave, c'est l'artère en verre en verre. Si le drain il ramène plus que 1500 d'emblée, à partir du drain thoracique, j'ai des 1500 ml d'emblée, laisse le bloc opératoire. Si le drain il m'a ramené plus que 400 ml par heure pendant 2 à 4 heures, à l'époque on a le GMI 500, donc on va mettre un partiel à GMI 400, partiel à GMI 400, on résout le bloc. Quand on a un saignement veineux, le drainage pour le chèque, le poumon est à la place, donc ça va se combattre après. Un saignement artériel, on va y rester pas de se combattre tout seul, il faut aller opérer. Enfin, si c'est un drainage journalier de plus que 1500, il y a un lien qui est en fait, il y a un peu de la GMI qui est. Il faut faire la thoracotomie d'hémostase. D'accord. Lorsque je suis en train de faire la sternotomie ou circulation extracorporelle, c'est tout ce qui est rupture aortique, voilà les lésions valvulaires. Donc là, c'est une ligne de drainage thoracique. Voilà. Le traitement en termes d'une pomponade, c'est le drainage péricardique. Mais est-ce que circulation extracorporelle, dans la sternotomie, il y a la tête externe. Quand le drainage péricardique, il y a de 2 cm, voilà, externe. On n'ouvre pas le sternum.
والسلام عليك عالم سي إلكتريك مش نتعلم بكل دام السوري سي إلكتريك بعد نسكر في داسي لما نعمل مش في نورمال في داسي كلور يعني كلور دونك دريناج توراسيك indication d'une thoracotomie d'hémostase face à un hémothorax, c'est un drainage journalier de plus de 1500, un drainage journalier de 1500, voilà le débit qui est très important. D'accord. L'indication d'une sternotomie chirurgie cardiaque, les ruptures valvulaires, etc. Le ruptures de la rate, c'est un traitement qui est chirurgical. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà pour le bête. Alors, maintenant, ici. L'analgésique, madame, le corps a douleur de partie médicale. Vous n'avez pas dit, si le perforant ne marche pas, c'est à les sentir un moment donné en stéroïdien qui sont contre-indiqués à devenir traumatisés. Assez bien. Donc, il faut donner du perforant, voilà, de l'alphon, voilà, du tramadol. Si ça ne marche pas, c'est la mortine. Non, je vous donne le bloc. Je vais simplifier. عندك الأختير تتعدى منه والفين تتعدى منه والنير يتعدى منه احنا كي نحطوا دران توراسيك نحطوا حاسيب وخسامتي فيه نضربوا على الكود هنا ندخلوا تحت اون اسبير سي اون ا دو سون اون انجيكت دو لاكسيدوكاين سا با ليميتي انيبي لا ترانسميسيون نيرفوز او نيفو دو نير انتركوسال لو بلوك انتركوسال سي ان بلوك انجيكتي على السيستيم لوكال اون كونتاكت دو نير انتركوسال فما شو نعمل بيري توراسيك كما بيري تاع الفوشمون سوف بيري نحطوا توراسيك سي سبيسياليزي ما نعرفوش البلوكات هذا البلوكات الفوسال في اوبيجي دو لو فير بليزيور نيفو دونك بيان ريسك دو باساج دو لانيسيسي دو كام سي بلاس 170 باهي ما تقولوش ما بيش سبيسياليزي باغ كونتر جو سوي اوبليجي باش نقول لكم وقتاش تاع الموتوراكوتومي دي موساس في الموتوراكس مي جو دو عندي كاتبين تحط الدرا توراسيك والدرا تاعك غادي يجيب لك زوزيتي ما تعرفش عندي هذا ماشي هو فهمت في الاستماع كيفاش لازم تخافوا شنو الحوايج اللي فريمون لازم تعرفوا Mais ça part du bloc à tête ça, ou bien laisse tomber. Oui. Golden Hour. Golden Hour, plus tu agis rapidement, plus tu vas sauver ton patient. Elle est aussi un Golden Hour. Et Golden Hour, il y a un truc qui est accès à la rame. Il faut agir vite, faire vite. Elle est aussi un Golden Hour. Qui va le principe de choisir? Qui va le principe du damage contrôle? D'accord, quel est le reste par le fait de faire Malik, je disais. D'accord. Golden Hour, il y a un écoute, tu agis rapidement, plus tu as de bons résultats. Mais, c'est bon. Non. Même pour l'indication de la microscopie trachéobronchique, quelle est la suspicion de l'occlusion trachéobronchique? D'accord. L'emphysème sous-cutané. Pas pour l'emphysème sous-cutané, non, il y a une crépitation en légère, comme Charlie Chatton Fudge, et il dit, mais ça me fudge. Fudge pas, je suis très secoué. Il faut que tu as secoué, est-ce que tu as secoué, on va dire, il crache que je t'as secoué. Comme du ça me fudge, moi je ne sais pas ce que je veux dire. Donc, il faut que tu as secoué, est-ce que tu as secoué, est-ce que tu as secoué, ici, un pneumothorax, et généralement, c'est une rupture alvéolaire, il faut avoir la trachéobronchie. Pour le cure trachéobronchique, il y a des patients, alors on m'en fout, il m'a donné la vraie. Alors c'est pas de mettre, hein, pas de mettre dans la ligne, tout le monde. C'est spectaculaire, hein. Ça va prendre un coup d'œil, très mal. Pour les gars, ballon automatisé, il y a un nouveau qui est sous machine, où il coche, on va en fixer la fin. Il coche, flappe les bulles d'emphysème terre. On va rendre les bulles d'emphysème, non, non. Donc flappe, on va mettre le motorax qui est à terre. Facile, tu vois la fin. يعني لازم ترى يعني ريت واحد شديد في الكومبا في الدسامية والله يعني عيني ما عادش ترى راسه هكا ولا هكا راسه توراكس قبل هكا فهمت يعني تنفخوا رابيدمون يعني الركوع تاع تو بونشي اكس سبيكتاكولير لانكوباسيون هو اللي انفيسي هذا عندك انفيسي هنا 10 حتى هذا لو سوان كبير خاص
c'est la même destinée. L'oupure de la trachée, si elle est minée, qu'elle est saillée, ça se remarque pour cela. Ça a le suffit d'intuber le patient, sans d'intubation, elle va adhérer à la paroi pour s'accrever. Il va y avoir de la fibrose et on n'en perd pas. L'air est le plus médiocre à agir. Et pas à chaque fois, on va faire une diffusion. La fibrose, elle a une communication, elle a une diaphragme, elle a une. Ça a la façon d'être un peu hémopéricoine, ça diffuse, il y a un peu de hémodorax en diffusion. Pas la communication, il y a pas de diaphragme. Très peu de fibrose opératoire. Moi, je ne sais pas que la réalité.